Bonne nouvelle. Kate Middleton atteint son troisième enfant. La duchesse de Cambridge va néanmoins vivre une grossesse difficile en raison de la maladie dont elle est atteinte, l'hypermesis gravidarum. Carnet rose. Kate Middleton et le prince William vont accueillir, dans 9 mois, leur troisième enfant. La nouvelle a été dévoilée ce 4 septembre dans un communiqué officiel. Les deux premières grossesses de la duchesse de Cambridge n'avaient pas été un long fleuve tranquille et il est fort probable qu'il en soit de même pour celle-ci. En effet, Kate Middleton est atteinte d'hypermesis gravidarum, un symptôme qui touche très peu de femmes. En effet, ce symptôme ne touche que 2 à 3% des femmes enceintes mais cause de nombreux effets indésirables qui peuvent mener à l'hospitalisation, très fortes nausées et des vomissements qui conduisent en général à une perte de poids, mais aussi une forte déshydratation et des carences en vitamines et oligo-éléments. Ce symptôme concerne en général les femmes enceintes de jumeaux ou qui attendent leur premier enfant. Lorsqu'elle était enceinte du prince George, Kate Middleton avait dû être hospitalisée à cause de ce symptôme. Pour la grossesse de Charlotte, elle avait été soignée chez elle. Absente à cause de cette maladie, Kensington Palace a précisé dans le communiqué officiel publié pour l'annonce de cette troisième grossesse, que la duchesse de Cambridge, en raison de sa santé, ne pourrait pas assister à certains événements, comme avec les grossesses précédentes, la duchesse souffre d'hypermesis gravidarum. Son Altesse Royale ne pourra donc pas tenir certains engagements qu'elle a pris, et notamment celui au Centre pour enfants Torness Road à Londres ce 4 septembre.